Et au niveau du Lualaba, deux notables ont également salué la nomination du nouveau directeur de cabinet à la présidence par le chef de l'État. Ils invitent ces derniers à corriger toutes les erreurs du passé et à travailler selon la volonté du président. Oui, ben ça tombe à pic parce qu'il a remarqué qu'il est aussi gêné, il est aussi un peu bloqué par rapport à la gestion de la nation. Donc il a pu prendre une décision d'autorité pour nommer un autre, même si Caméré était libéré, s'il advenait qu'il soit libéré, est-ce qu'il aura encore le même aura? Est-ce qu'il aura encore la même notoriété? Ça sera très mitigé. Moi, je crois qu'il a pris une décision responsable. Le directeur de cabinet, c'est un maillon très important dans l'administration de la présidence de la République. Et donc, le grand vide occasionné par l'arrestation de Vital Caméré devait être comblé tout de suite d'ailleurs. Pour moi, je trouve que ça a beaucoup traîné, d'autant plus qu'il y avait déjà une condamnation. Il fallait qu'il y ait un nouveau directeur de cabinet.